Ça va? Moi, ça va bien. Je viens d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. De l'Avent avant l'anniversaire. Et j'ai des courriers dans ma boîte aux lettres. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 courriers. Dont un que je suis responsable. Il s'agit de. Connaissez-vous ça? Alors, Mélanie de Cannelle et Citron. A sorti une nouvelle collection. J'ai pas acheté la nouvelle collection. Non. Il faut faire un petit peu attention. Moi, il faut que je fasse là attention. Je fais attention à mes dépenses. Et pour le coup, j'ai quand même craqué pour un truc. Oulala. J'ai quand même craqué pour un truc. Regardez son papier comme il est beau. Il y avait un dice qui me plaisait. Je me suis dit, il y a plein de possibilités avec ce dice-là. Et quand je vois ce qui est fait avec, ça me plaisait beaucoup. Donc, ça va aller. J'ai un tiroir exprès pour Cannelle et Citron. Je vous le montrerai un jour. Donc, regardez-moi ça. C'est beau, ça. Alors, ce papier-là, je ne vais pas le jeter. Hein. Je pourrais récupérer. Oh, trop mignon. Et mais, oh, trop bien. Bon. Alors, oh, encore mieux. Alors, hop, 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 il y a plein de petits, un zeste de douceur dans notre scrap. Regardez, sa nouvelle collection, c'est des choses bébés comme ça, trop belles, trop belles. Votre soutien est précieux. Bah oui, c'est une petite boutique française. Comme je vous le dis à chaque fois, je la suis depuis ses débuts. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers. Et ça me plaît. Et c'est un dice, je vais dire boîte aux lettres. Non, non, c'est un dice courrier. Voilà, c'est tout bête. Hein. J'aurais pu découper un rectangle, faire un dice ici, un dice ici, c'est clair. Mais j'avais envie d'avoir ce dice-là. Il y a de quoi faire le timbre. Donc, c'est trop top. Franchement, c'est trop bien. Et là, c'est une petite... Ma petite breloque, en plus, avec un signe. Et Valérie m'a envoyé plein de choses avec les signes. Donc, je vous mens pas. Hein. J'ai un tiroir Cannelle et Citron. Et j'ai un tiroir avec des choses de signes dans les tiroirs gris, là, en bas. Voilà. Donc, si, je peux vous montrer. Hein. Il y a plein de choses avec des signes, vous voyez. Plein, plein, plein. Voilà. Donc, quand j'ai rangé, j'ai essayé quand même de regrouper des choses ensemble. J'ai des rubans qui se sont fait la malle. Voilà, je ramasse ça. Et c'est trop mignon, vraiment. C'est Cannelle et Citron. Hein. Ça ne peut être que de la douceur. C'est trop chou. Et elle m'a mis un petit sachet avec plein de choses. Trop mignon. Je vais vous montrer quand même. Tu es éternuée? Alors, il y a des petits nœuds. Il y a des. Alors je sais. Je crois qu'il y a un nom pour ça. C'est. Je ne me rappelle plus, je suis désolée. C'est des fonds, comme des petites bases. Comme ça, vous voyez. C'est pareil, je crois qu'elle a sorti un dice. Mais je crois que ça, c'est dans sa box. Elle a sorti une super box. Regardez ce lapin. Il faut que je fasse attention parce que c'est des tout petits nœuds, regardez, tout petits nœuds comme ça dedans. Il ne faut pas que je les perde. Encore un petit lapin avec son oreille cassée. Des petits vêtements là. Hop, un petit Bambi. J'adore. Des petits vêtements comme ça. Un cygne avec son aile. Oh, des petits bambis, hein. Trop mignon.
C'est d'une douceur. Voilà. Un petit signe. Et un petit habit comme ça, j'adore. Voilà. Donc, je vais remettre ça précieusement dans le petit sachet. Hop. Voilà. Et je vais laisser tout ça ensemble. Et le papier, bien entendu, je vais le garder. Parce que comme ça, ça me fait tout un tas de tamponnage. Celui-là, il est nickel. En bas aussi. Elle a dû s'amuser à faire tout ça. Hop, voilà. Je laisse tout ça dedans. Donc ça, j'étais au courant puisque c'est moi-même qui me suis acheté. Voilà, pas de secret. C'est comme ça. Ensuite, j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça me vient de quelqu'un. Puisqu'il n'y a rien de marqué. Donc on va voir ce que c'est. Je surveille mon bébé qui dort à côté. Ça doit être pour le défi. Je ne sais pas de qui est-ce. Le défi des cartes à cartes. Ni rectangulaire, ni. Attendez, j'enlève le papier bulle. Je ne veux pas abîmé, hein, surtout. T'aimes le scotch, hein, toi aussi, t'es comme moi. T'es comme moi. Donc, carte printemps. Attendez, il y a du scotch de partout. Alors. Donc, la boîte. Un petit lapin derrière. Et en fait, c'est une carte. Carte ni rectangulaire, ni. Ah, si, il y a peut-être le petit mot là. Je vais savoir qui c'est. D'accord. Bah, si, j'avais pas vu que c'était toi. Ah, bah oui, ça me plaît. Donc c'est Sissi, voilà, les aventures de Sissi. Scrap, humour, création. Ah bah oui, de toute façon il y a un petit lapin, donc c'est forcé. Elle est folle de lapin aussi. Peut-être même plus que moi, vous imaginez. Attendez, hop. Donc un petit chapeau, des plumes, des... pompon là en je sais pas quoi. Pompon, voilà, je la pose là. C'est posé. Merci. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'indice sur ta carte. Hop, je mets tout à la poubelle après. Enfin, pas le chapeau. L'emballage quand même. Ensuite, j'ai une carte de Christine. Regarde le timbre. Nickel. Merci pour le timbre. Qui doit m'envoyer aussi un petit défi, je pense. J'ouvre. Voilà. Vu comment j'attrape mon ciseau, ce risque plus de me blesser que d'ouvrir une lettre. Mais c'est pas grave. Allez, hop. Je fouille. Ah oui. Ah, joyeux anniversaire. Merci. Très doux, voilà, c'est très très doux ça, très sympa.
C'est tendre, c'est doux, c'est pastel, c'est simple. C'est simple, ouais, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Et coucou coucou, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'ai fait le défi en même temps, ça c'est super. Que ta carte d'anniversaire. Bisous. Bah bisous. Bah oui. En fait, quand j'ai lancé le défi, j'ai pas du tout pensé à mon anniversaire. Hein. J'ai lancé un défi parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé de défi. Enfin, qu'on n'avait pas, moi et moi-même, que je n'avais pas lancé de défi. C'est très mignon. En plus, le petit tamponnage, la joyeuse anniversaire, il est tout fin. C'est vraiment très sympa. Très sympa. Mais ça doit être le double dies, le triple dies même, je crois, de chez Action, là, il y a quelques temps. Je pense que c'est ça. Et si c'est pas ça, c'est pas grave. Des fois, on cherche à savoir c'est quoi, mais ça sert à... Enfin, des fois, je me dis, mais ça sert à rien de dire c'est un dice de tel endroit, c'est un dice de ça. Mais des fois, on les reconnaît, donc on le dit, mais des fois, je me dis, ça sert pas à grand-chose. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Encore deux courriers à ouvrir. Corinne aussi. Non, là, c'est Christine. Il y a des Corinne partout. Allez, hop, j'ouvre, et j'attrape, et, oh merci, et attendez, alors oh merci, oui, pourquoi je dis oh merci, ben, vous allez voir. Et là dedans, il y a la carte. Oh, très printanière. Hop, dans quel sens? Hop, regardez. Je trouve que les papillons, ça ressort bien là sur les côtés. Alors, je pense que c'est comme ça, parce qu'il y a le petit nœud en bas, comme un bouquet. Très sympa. Très joli. Les couleurs, j'aime beaucoup l'assemblage de couleurs. J'aurais pas pensé personnellement, moi je. Non, mais quand je dis personnellement, des fois j'ai l'impression que ça fait un peu prétentieuse, mais c'est pas grave. J'aurais pas mis jaune, mais je trouve que ça fait bien. Voilà, en ce moment, je sais pas, mes goûts, ils changent peut-être, je sais pas. Mais je trouve que ça apporte de la lumière. Peut-être s'il n'y avait pas eu de jaune, bah, ça serait pas aussi lumineux. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, bah, il peut rien, j'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Voilà. Non, je vais la remettre dedans. Enfin, je sais plus. Non, je vais la remettre dedans. Parce que tout le monde y a mis dedans. Mais si, je n'ai pas remis dedans parce qu'elle m'avait rien mis sur son enveloppe. Et bonjour Coco. Bon, c'est bien pour moi. Pour moi, c'est une première. Elle aime pas faire les défis, mais là, elle a voulu le faire. Ça lui a plu. Et elle m'a envoyé un dice qu'elle a en double. Il est très mignon, je vais vous le montrer. Eh ben, à très vite, chère collègue Corinne. Bah oui, hein, entre Corinne, on se comprend. Hop, et le petit dice. C'est une fée. Elle est mignonne. Hein, Hobbycraft. Non, mais je pense que quand on la découpe. Oui, bah oui, c'est marqué. Enfin, c'est dessiné. Les ailes, elles sont ajourées, pardon. Bah, vous voyez, le fait que les ailes, elles soient ajourées, ça me donne une idée. Est-ce que. Non, je vais le remettre. Je vais le mettre là parce que si je remets dans l'enveloppe, je vais plus y penser. Alors que là, si je fais bon, qu'est-ce que je vais faire? Hop, tiens, je vais faire une créa avec la petite fée en dice. Voilà. Et là, je vais ouvrir le dernier courrier. Ah oui, ça prend du temps. Je vais ouvrir le dernier courrier et après, je vous laisse tranquille. Enfin, moi, j'en aurais bien ouvert toute la nuit, hein, mais bon, hein, je vais vous laisser après. Donc, un courrier qui me vient de Marseille, de Valérie S. Hop.
C'est mignon comme tout ça. Le papier est très très joli avec oui, les papillons, oui, parce que je me dis, j'ai vu des papillons, puis maintenant je vois des fleurs. Maintenant, les papillons sont en jaune. Il est très fin ce papier, j'aime bien. Et ça s'ouvre. Regardez. Tic. Et tic. Et on peut glisser sa petite, son petit mot. Écrit en rose. Elle n'est pas franchement carrée ni rectangulaire. C'est original et c'est oui, c'est très féminin, c'est mignon comme tout. Un papier pas trop chargé. Oui, c'est pas mal, c'est plutôt bien même, c'est très très bien même. À bientôt sur tes vidéos que je suis toujours avec un grand plaisir. Et bah écoute, bah moi c'est un grand plaisir de lire que c'est un grand plaisir pour toi. Bah oui. Ah, ça c'est pas les fleurs qui font en ce moment. Je les ai pas achetées moi. Les fleurs qui font en ce moment chez Action. Elles sont pas mal hein, quand même. Si c'est celles-là, ouais, elles sont pas mal quand même. Ça laisse réfléchir. Et là, une autre carte. Ah, une autre carte. Très jolie. Attendez. Voilà. Tic. Et là, ça s'ouvre, mais il y a des choses écrites. Donc, je vais lire pour moi. Quelques fleurs et des couleurs très douces pour te souhaiter un très bon anniversaire. Merci. À 4 ans, tu vas peut-être arriver à lire ma carte. Bah oui, mais c'est 4 ans. Je dis toujours que j'ai 15 ans dans ma tête. C'est ce qui compte. Je ne me considère. Oui, moi non plus, je ne me considérerai jamais comme une dame. Un peu de légèreté, oui, ça fait du bien. Pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein. Et tes vidéos sont très agréables pour ça. Alors, merci. Et ben, merci à toi de d'être là, de m'apprécier, oui, d'apprécier ce que je propose. Et si moi ça vous fait du bien, ben, sachez que moi aussi ça me fait du bien de vous faire des vidéos, de parler à mon téléphone et de jouer à la youtubeuse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas se prendre au sérieux. J'ai l'impression que d'être comme quand j'étais petite que je jouais à la maîtresse, bah là j'ai l'impression de jouer à la youtubeuse. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas une youtubeuse. C'est comme si, c'est comme le canal à dry, hein. Ça ressemble à une youtubeuse, mais bref. Bah écoutez, merci beaucoup. Faut que je vous montre un truc quand même. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vais vous montrer de la douceur à l'état pur. Voilà. Voilà qui fait dodo à côté de moi. Mon bureau est là. Vous voyez? Mon bureau, il est là. Tac, tac, tac. Et madame fait dodo à côté de moi. Bon, allez, je vous laisse. À demain.